Bonjour les enfants, c'est le Père Noël et aujourd'hui je remplace Rex du 33 et dans sa vidéo et je la transforme donc en vidéo spéciale. Non mais c'est mort, t'as reconnu. Mais t'as tout fait foirer. Ah non, il est déjà cramé avant. Non mais puisque c'est n'importe quoi, t'en profiter, hein. Non. Bon. On va recommencer, c'était mieux. C'est Rex 33 et pas le Père Noël, mais bon, je garde un petit peu tout ça pour la vidéo spéciale Noël. Alors, est-ce qu'il peut neiger? Si vous voulez, pour Noël, il peut neiger quand même un petit peu. Voilà, merci, je vous remercie. Donc, pour cette petite vidéo, je vais vous présenter, vous avez dit vite fait, quelque chose spécial Noël. Une vidéo, donc, qui a été filmée l'année dernière, qui est tout simplement la présentation du calendrier de l'Avent Lego Star Wars 2012, que j'avais filmé, mais que je n'avais pas mis en ligne. Après, on était en janvier, puis en février et tout, je me suis dit non, je vais mettre en ligne l'année prochaine dans la période de Noël, donc voilà, c'est un petit peu ce que je fais. Et puis, comme je n'ai pas la vidéo du calendrier de l'Avent de cette année, puisque comme je n'ai pas le calendrier de l'Avent, de toute façon, je ne suis pas prêt à faire une vidéo dessus, donc je vous mets voilà celle du calendrier de l'Avent 2012 pour ceux qui n'avaient pas l'année dernière et qui n'ont aucune vidéo comme ça. Ils peuvent le voir et ensuite vous aurez droit à un petit mop spécial de Noël. Donc là c'est encore un projet puisqu'à l'heure où j'avais cette vidéo, j'enlevais cette partie de la vidéo, je ne l'ai pas terminée quoi, parce que comme vous pouvez le voir les droïdes de combat n'ont pas de blaster, mais évidemment l'heure où je filmerai le mock pour faire le montage après, voilà comme ça, ils en auront évidemment. Donc on va tout de suite commencer avec la présentation du calendrier de l'Avent Lego Star Wars 2012. Donc on va passer à la deuxième partie de cette vidéo, donc c'est-à-dire la présentation du calendrier de l'Avent 2012, donc c'est-à-dire le 9509. Voilà, Lego Star Wars Advent Calendar. Donc je vais faire en fait, ils sont tous construits mais ils sont dans les cases. Donc je vais rouvrir les cases et puis ouais, je vais les poser, vous allez voir. Donc les pièces en rab, il y en avait un petit peu chaque jour, donc à la fin ça en fait beaucoup. Voilà, il y en avait à peu près une ou deux chaque jour, petites pièces en rab. Donc le 1, voilà, c'est le Gungun Sub. Voilà. Bon. Le 2, il est où le 2? Ah, il est là. Quand même, c'est un calendrier. Bon, les trucs sont assez fragiles parce que ils sont presque tout pétés, mais c'est plus facile à trouver parce que c'est tout bien parallèle et tout. Que sur le calendrier de l'Avent classique, ouais, c'est tout en bazar. Hein. Voilà. J'avais le calendrier de l'Avent 1000K aussi. Avec le gros Père Noël énorme de... pour le 24. J'adore 1000K. C'est ma marque de chocolat préférée. Mais bon, on s'en fout. Un droïde de sécu. Alors ça m'étonne, j'ai dû me planter parce que normalement... Oh voilà, j'en avais inversé deux. Alors attendez. Voilà, c'est un Gungan. Le 3. Alors on va rester dans l'univers de Naboo. Ça s'effrite, si on peut appeler ça s'effriter. Il y a des petits bouts qui sont tombés. Alors là, je crois qu'il est tombé tout en bas du truc. Voilà. Alors, le 3, ça va tomber. C'est tombé. Bon. Est-ce que ça tient plus? Alors, le 3, c'est bon, là, pour le moment, ça tient. C'est une petite catapulte Gungan. Donc, en fait, on a la lance... Le bouclier du Gungan qui était avant, bon c'est pas les vrais lances Gungan trop stylés et tout, mais bon j'en fabriquerai une, parce que j'ai les pièces qu'il faut.
et une petite catapulte de boomas. Voilà, c'est marrant. Je mettrai dans un mock, je referai un mock de Naboo épisode 1, je ferai un deuxième. Ensuite, le 4. Donc le 4, c'est le Star Destroyer. Voilà. Qui m'a un petit peu déçu. Au niveau des réacteurs et du truc devant, sinon on est pas mal quand même. Le 5, c'est... Alors, c'est un AAT, je crois. Non, c'est pas l'AAT, c'est le... Je sais pas quoi AAT. Transporteur droïde. Marrant, là. Très moche. Puis qui est aussi moche en mini, mais bon, il est rigolo. Il est marrant, quoi. Le numéro 6... C'est maintenant le droïde de sécu que je m'étais planté tout à l'heure. Voilà. Bon, un droïde de sécu normal, j'en avais déjà trois, mais bon, voilà, un quatrième. Qui... Petit escouade de sécu. Alors le 7, il est là, et c'est le Naboo Starfighter. Voilà, lui aussi, enfin je savais qu'il était plus petit que celui des planètes 7. Mais je pensais qu'il allait être très raté. Alors qu'en fait il est très bien, même s'il est tout petit. Vraiment, vraiment très très bien. Le 8. Alors le 8, c'est un truc complètement raté. C'est un chasseur droïde, voilà, mais vraiment complètement raté, quoi. Là, vraiment, en même temps, si j'avais dû en faire un aussi petit que ça, j'aurais pas mieux fait. Même si j'avais toutes les pièces de Lego du monde, comme eux d'ailleurs, j'aurais pas mieux fait. Mais sérieusement, je trouve très très raté. On était combien? On était au 8? Bon, alors le 9. C'est un officier impérial. Avec deux têtes, une tête avec un masque, et une tête avec pas de masque. Des officiers impériaux, mais qui sont, quand ils sont sur, quand ils sont dans des véhicules, quoi, avec le chapeau bizarre sur la tête, là. Alors, ensuite, le 10. Comme ça, le chapeau. Le 10, il est là. C'est un AT-AT, voilà. Alors, ce Lego Adrien, je crois que c'est lui, a dit que ce qu'il l'avait déçu un petit peu, la TAT. Moi je le trouve assez marrant, quoi. Je trouve quand même assez bien réussi, même si c'est vrai que les pieds sont moisis. Mais sérieusement, je le trouve assez bien réussi, assez ressemblant. Alors maintenant le 11, il est... Ah, et c'est le truc, je pense, le moins utile de tous. Une petite tourelle. Alors c'est une petite tourelle, mais alors un petit canon aussi merdique que ça. Qui peut pas se lever, pas tourner. Juste le petit truc. En fait, si on a juste le calendrier de l'avant, elle est vraiment pas mal. Voilà, si on veut juste faire un mock avec tout ce qu'il y a dans le calendrier de l'avant, elle est vraiment pas mal. Et si on a d'autres Lego Star Wars, ben... Voilà. Et bon, elle est quoi, elle est chouette. Elle est marrante. Elle est... Voilà. Donc le 12 maintenant, c'est un rebelle de Hoth. Version 2011. C'est mon deuxième version 2011 parce que j'ai pas acheté le Battle Pack de 2011 où il y a des rebelles de Hoth. J'en ai eu un dans la tête d'ailleurs, c'est cette boîte qui est là. Voilà les personnages à l'envers. Là, j'ai eu. Okay. Et après j'en avais deux de version 2010 qui sont un petit peu plus vieux. Oh voilà, j'étais content aussi. Pour lui là, j'étais... Je suis assez content. Ah, j'arrive pas à lui remettre son chapeau. Voilà. Bon, tant pis. Alors, le 12. Le 12, c'est le... À moins que c'était le 12. Qu'on a ouvert l'instant. Ouais, c'était le 12. Non, attendez, je sais plus où est-ce que... Oh, voilà, on était là. Donc, le 13, il est... Il est là. C'est un petit droïde impérial qui font que marcher partout dans l'étoile noire. Je vois pas trop l'utilité d'en avoir un, à part pour mettre dans un mock, mais bon, voilà, vraiment je m'en servirai dans un mock, je pense. Le 14, c'est alors un range arme avec un sniper, un petit blaster et le sabre laser de Dark Maul qu'on aura dans 10 jours puisqu'on est le 14 et que c'est le 24. Le 15, il est... Ici,
Et c'est un Snowtrooper. Alors là, vraiment, ils ont été pas doués pour le coup, parce qu'ils ont mis un Snowtrooper, donc un masque avec des trous, avec une tête, avec des yeux. Donc quand on les met l'un sur l'autre, ben, il y a le haut de la tête qui est par les trous. C'est même pas les yeux, c'est le haut de la tête. Donc ça, c'est très raté, mais bon, ça fait plaisir d'avoir un Snowtrooper quand même. Alors le 16, vraiment, lui, je pensais pas qu'il allait être si bien. Il est vraiment énorme. Non, vraiment cool, quoi. La nef royale de Naboo, la nef de Padmé, vraiment vraiment génial celui-là. Le 17 maintenant. Le speeder de Naboo. Voilà, il y en a eu pas mal de Naboo cette année quand même. Entre le Gungan, le Gungan Sub, la nef, le speeder, le machin là, plein de trucs quoi. Bon, il est bien aussi ce speeder. Alors, le 18, c'est un soldat rebelle, voilà, tout court. Mais qui n'a pas exactement la même tête que ceux qu'on avait dans les Battle Packs il y a longtemps. Le 19, c'est ça. Donc le Separatist Shuttle, version Star Wars épisode 3. Un peu raté, mais bon, je l'aime bien quand même. Le 20. Le général Grievous Starfighter. Voilà, sans commentaire. Le 21, c'est un super droïde de combat. Là aussi, j'étais content. Le 22, c'est... Ouais, on est en vacances. Bon, le 22, le Darth Maul Sensor. Assez réussi, je trouve. Voilà. Parce qu'il reste plus beaucoup de temps, donc on se reprend juste après. Ok, voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Alors donc cette année aussi j'ai le calendrier de la main Mika, hein, et d'ailleurs je crois qu'ils se sont pas fait chier, qu'ils nous ont bien eu sur ce coup là parce que j'ai pas l'impression que c'est exactement le même que l'année dernière. Donc toujours avec le Papa Noël au milieu comme ça et tous les petits trucs d'ailleurs. Donc aujourd'hui on est le 17 si je ne m'abuse, donc va le manger. Ah, d'ailleurs très pratique, très bon ce calendrier, mais pas très très pratique parce que quand on a des chocolats comme ceci, on peut pas les attraper comme ça directement, on peut les pousser par derrière. Bon, c'est un détail. Vanille. Voilà. Mika, alors c'est quand même le meilleur chocolat du monde, sérieusement. Donc, après cette vidéo de calendrier de l'Avent Lego Star Wars, je vous laisse admirer un petit mock évidemment sur le thème de Noël. Alors donc il s'agit d'un mock qui serait sur la planète Terre. Quoi, la planète Terre dans Star Wars? Je suis complètement désolé, donc mélanger mock et Lego Star Wars, non pas mélanger mock, mélanger mock Lego Star Wars et Noël, ben j'ai dû prendre un Père Noël. Le seul que j'avais, c'est un Père Noël Dark Maul. Du coup, j'ai fait un mock épisode 1. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir l'opportunité de pouvoir mettre... Cette phrase ne veut rien dire. De mettre, donc, Qui-Gon Jinn, mon petit préféré. Donc, aucun clone épisode 1, du coup, puisqu'il n'y a pas de clone dans l'épisode 1. Voilà, un petit peu. Donc, ça se passe donc sur la Terre. Pourquoi? Parce que dans les planètes de Star Wars... je pense par exemple à Hoth ou à machin. Donc il y a de la neige quoi, donc évidemment je fais un moque de neige puisque c'est un moque de Noël. Il n'y a aucune végétation. Alors que sur la Terre on peut avoir des fois de l'herbe qui sort un petit peu, ou des sapins évidemment, là j'ai mis une petite forêt de sapins pour rappeler Noël un petit peu. Donc voilà, donc et puis aussi le Noël c'est une fête sur la Terre, hein, c'est pas trop dans Star Wars. Donc c'est pour ça, donc j'ai fait ça. Ça se passe donc sur la Terre avec des sapins, un petit peu de végétation. Puis des cadeaux aussi. Donc voilà, donc je vais vous le présenter maintenant. Pourquoi ça ne marche pas? Allô? Ouais, bon, qu'est-ce que tu fous là? On envoie la vidéo. Donc voici le mock. Donc à peu près ce qu'il donne. Donc comme vous voyez, donc des petites plantes qui dépassent de la neige parce qu'elle a fondu depuis que ça avait neigé par-dessus, ça a fondu, donc il y a de l'herbe un peu qui dépasse. Ici une forêt de sapins, ici un sapin de Noël, donc il a un pied.
avec des cadeaux. Et donc là, la République et les séparatistes. Donc on a des séparatistes, on a des droïdes. On a 9, dont un droïde commandant. Ici on a, en fait on en a 12 parce qu'on a 3 qui sont défoncés par terre. Là on a Qui-Gon Jinn, que j'adore. Sérieusement. Ici on a Obi-Wan. Alors pourquoi j'ai pris ce Obi-Wan là? Ben parce que j'en avais pas de épisode 1. Mais comme il a une capuche et tout, bon ben c'est à part la barbe, sinon c'est bon. Ici on a Mace Windu donc, qui court vers Dark Maul, donc Dark Maul qui est le Père Noël. Donc là c'est un petit peu comme si c'était la République les méchants, puisqu'ils empêchent le Père Noël de faire son travail. C'est-à-dire Dark Maul c'est le Père Noël. Et donc il est en train de mettre des cadeaux. Ici, là, comme ça. Au sapin. Et donc il y a Mace Windu qui arrive. Donc ici il y a sa moto qu'on pouvait avoir dans le. Dans le Dark Maul Infiltrator. Un set de 2012. De juin 2012. Que j'ai fait la review. Je vous invite à aller la voir. Voilà. Donc là, on a donc Dark Maul en plein Noël du calendrier de l'Avent, le Lego Star Wars 2012 aussi. Non, c'est un set de 2011 alors. Le Dark Maul Sith Infiltrator, c'est un set donc de juin 2011. Voilà. Et donc là, le Dark Maul de 2012 avec son double sabre, donc il va se battre contre Mace Windu. Et bon, ben voilà, c'est un petit mock. Pas super super détaillé, mais bon, c'est quand même un mock de neige, donc j'aime bien ça. Et voilà. Voilà, en tout cas, je voulais juste tous vous remercier d'avoir vu cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, surtout si vous allez apprécier, pourquoi, si vous avez envie que je refasse des vidéos comme ceci, n'hésitez pas à me le dire par l'intermédiaire des commentaires, parce que moi j'aime bien faire des vidéos un petit peu spéciales, même si vous avez vu, il y a eu quelques petites incohérences, quelques petits bugs, par exemple. Je crois qu'on a une veste qui disparaît à un moment dans la toute première scène où il y a les deux bonhommes. Donc voilà, c'est un petit truc bon, que... J'ai vu, mais finalement j'en étais à la troisième prise ou quatrième parce que à un moment j'arrivais pas à coordonner les deux discours, ça me saoulait trop. D'ailleurs je m'étais fait un texte du coup, que j'ai dû apprendre par cœur parce qu'il fallait que chaque personne ait un temps de parole propre pour chaque réplique, puisque quand je filmais j'avais pas l'autre moi en train de faire, donc il fallait à peu près que je sache, même pas à peu près, il fallait que je sache plus combien de temps il allait parler. Voilà, donc juste après l'outro, ben, je vais vous mettre la vidéo sans montage du début. Donc les deux personnages l'un après l'autre, pour ceux qui veulent regarder, ça les intéresse un petit peu. Nouveauté aussi, les filtres, comme la neige. On peut remettre d'ailleurs. Merci. Et le truc bleu là qui fait... Et vous savez, le truc bleu, ben là je peux pas le remettre parce que sinon ça va faire, ça va rendre la vidéo encore plus lourde. Mais c'est un truc bleu qui... Quand, avec le stylo là, quand... plastique un petit peu distendu. Quand... Quand j'ai fait ça avec l'autre, il y avait le truc bleu là pour tuer l'autre qui était là. Ouais, vous voyez, et voilà, ça, c'était aussi un petit peu plus compliqué à faire que les montages que je fais d'habitude, mais c'est bon, j'ai réussi à les faire. Donc, moi, sérieusement, si j'ai d'autres thèmes de l'inspiration et tout, j'ai envie de refaire des vidéos comme ça, sérieusement, ça me plaît. Donc, donc c'est ce que je ferai si je peux. Donc, dites-moi en commentaire tout le bordel qui va bien. Rien dire, je vais donc juste vous laisser sur une petite photo de famille pour Noël, parce que vous savez, Noël, hein, la famille, tout ça, petite photo de famille. Bon, c'était peut-être pas ce à quoi vous vous attendiez, mais c'est une photo de famille quand même, attention. Allez, outro. Et bonjour les enfants, c'est le Père Noël et aujourd'hui je remplace Rex du 33 et dans sa vidéo, et je la transforme donc en vidéo spéciale Noël. Mais t'as tout fait foirer là. Non, puisque c'est n'importe quoi, autant en profiter, hein.
Si. Bon, on va recommencer. On va recommencer, c'était mieux. Non mais c'est mort, t'as reconnu là. Ah non, t'avais déjà cramé avant. Non. Non, 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 non. Non. C'est bon.